Comment bien vieillir en mangeant des fruits et des légumes? Avec les années qui passent, on perd de nos forces, et surtout de nos capacités intellectuelles. Des chercheurs dans les quatre coins du monde sont d'accord, sur un point: les aliments que nous consommons contribuent en grande partie à ralentir, ou à accélérer le processus de vieillissement. Le polyphénol est une molécule organique largement présente dans le règne végétal. Elle agit notamment contre le vieillissement cérébral. C'est ce qui ressort de nombreuses études, notamment celles menées à Vichy en 2003, et celles du biochimiste Pierre Bras. Les fruits et légumes en contiennent énormément. Comment mieux vieillir avec les fruits et les légumes? Les fruits et légumes sont les meilleurs alliés pour vieillir. En manger régulièrement apporte des bénéfices considérables sur l'organisme, surtout durant le processus de vieillissement. Les personnes âgées qui ont adopté cette bonne habitude sont moins exposées à des maladies comme les cancers, ou encore les problèmes cardiovasculaires. Ils contribuent à protéger aussi le cerveau grâce à la présence des antioxydants. Ils préviennent l'apparition de maladies comme l'Alzheimer. Cela s'explique par les effets des vitamines, des polyphénols, et des minéraux qui empêchent l'attaque des radicaux libres, qui sont des maladies du cerveau. Fruits et légumes contribuent aussi à garder une meilleure capacité intellectuelle, grâce à une consommation sur une longue durée. Des chercheurs de l'Université de Boston ont confirmé les bienfaits des légumes et des fruits. Les fonctions cérébrales sont en outre considérablement améliorées. Les myrtilles ont montré des résultats très concluants. Quels sont les fruits et légumes à privilégier? Les polyphénols sont présents dans les fruits ainsi que les légumes, et les nutriments qui y sont contenus sont aussi indispensables pour l'organisme. L'action des polyphénols sur le cerveau a été mise en exergue par les chercheurs. Il serait très bénéfique pour lutter contre l'anxiété. En tant qu'anxiolytique, ils sont beaucoup utilisés dans la phytothérapie. Ils protégeraient également contre les conséquences néfastes des accidents vasculaires cérébraux. Avoir un panier bio chez soi est un bon réflexe qui garantit une bonne santé. La question est de savoir quels sont les fruits et légumes à privilégier pour vieillir sainement et protéger ses neurones. À part les myrtilles, il y a aussi les fraises, les épinards, les raisins, les canneberges, le litchi, les abricots, la pomme. Les canneberges et les raisins sont meilleurs s'ils sont consommés sous forme de jus. Le melon est le fruit qui est le plus pauvre en polyphénol. Comment le consommer pour en tirer les bienfaits? Un verre chaque jour suffit. Que faire? Les chercheurs de l'INRA de Clermont-Ferrand soulignent que pour une meilleure santé de l'organisme, les règles sont: manger beaucoup de fruits et légumes, réduire la consommation de graisses saturées, une alimentation équilibrée et variée. En respectant ces trois grandes règles, vous garderez vos neurones en bonne santé. C'est aussi une habitude qui vous préservera de nombreuses maladies, notamment celles du cerveau. Pour consommer les fruits et légumes, le mieux est de les garder les plus frais possible afin de garder au maximum toutes leurs vertus. Pour davantage de conseils santé, rendez-vous sur notre site internet.